Bonjour à toutes et à tous, je suis en compagnie de Pierre Ménès dans le stade Odromo pour vous commenter cette rencontre. Cette rencontre va nous permettre de suivre la Nouvelle-Zélande face au Pérou. Et c'est donc un match international qui nous est proposé aujourd'hui. Et l'occasion pour certains joueurs de marquer des points dans l'esprit du sélectionneur, bien sûr. Il y a des titulaires indiscutables à certains postes, mais à d'autres, bah, il vaut mieux répondre présent le jour J, sinon il y a du monde derrière. Tiens, mon cher Pierre, je cite vos propos tout à l'heure hors antenne quand on est arrivé. Vous avez prononcé cette phrase assez historique. Vous avez dit Orso, c'est un beau stade. Ouais, et je peux te le confirmer maintenant à l'antenne. Orso, c'est un beau stade. L'équipe à domicile, dont voici la composition. Alors que vous découvrez le schéma tactique retenu par l'entraîneur aujourd'hui. On aura une pensée pour les défenseurs latéraux qui vont non seulement devoir faire le métier sur les ailes, soutenir les milieux et même proposer des solutions aux attaquants. Il va falloir 18 poumons chacun, quoi. L'une des caractéristiques de cette équipe, Pierre, c'est la volonté de récupérer le ballon très vite en allant presser l'adversaire, y compris d'ailleurs dans sa moitié de terrain. Ouais, c'est quelque chose que l'entraîneur travaille beaucoup en semaine. Il y a des joueurs qui savent mettre la pression sur l'adversaire pour lui faire rater des passes. Le coup d'envoi donné à l'instant. Cario. Rodriguez. Flores. Peut-être une bonne opportunité. Attention. Il s'est traversé par Tonnerre. Alors ça, c'est n'importe quoi, cette passe complètement à l'adversaire direct. Marco Rojas. Attention, il a du champ devant lui. La frappe. Oh, magnifique! On croyait battu. Et il nous sort un arrêt exceptionnel. Oh, mais c'est vraiment là que le mot « dernier rempart » prend toute sa signification. Corner adresse, il s'est dégagé du point. Oui, bien taclé, mais ce n'est pas fini. Farfan, un petit peu pressé sur ce ballon. Cario. Marco Rojas. Oh, que c'est bien joué, bien coupé par le défenseur. Le couloir devant lui. Oh, il passe pas, il s'est fait reprendre. Marco Rojas. Attention, ça peut être dangereux. En profondeur, oui, bien vu. Oh, c'est dangereux ce centre tendu.
Il va s'appuyer sur son gardien, repasser en retrait. Farfan. Marco Loras. Ouais, peut-être une situation intéressante là. Et la voilà la frappe. Le ballon touché hein, par le défenseur avant de sortir. Ce sera donc un corner. Bien frappé ce corner au niveau du point de pénalty. Un danger qui s'éloigne, c'était pourtant bien donné. Farfan. Ouais, faute, mais l'arbitre laisse jouer. Je pense que c'était plutôt raté comme intervention. Ouais, elle a du potentiel cette attaque, ça peut très bien faire un but. Farfan. Le gardien qui repousse, attention! Flores. Ah oui, il cherche un parti avant la profondeur. Le centre, mais contré par le défenseur. Et l'attaque va s'arrêter là. Carrillo. Ouais, joli, le 1-2. Oui, il y avait un espace, il l'a vu. On a bien compris l'idée, mais c'est mal donné. Bon, attention, c'est pas fini. Ah, il dégage ce ballon en touche directement. Flores. Centre, il a vu ses coéquipiers. Ouais, le but, l'ouverture du score dans ce match. À la joie du buteur, regarde-moi ça. Les supporters sont plutôt contents, eux aussi. On voit bien sur ces images que, en plus, c'est pas de son meilleur pied. Oui, enfin, ça, c'est ce qu'il prétend. Hein. Bien ce but, toujours, mais cette fois-ci avec une autre caméra. C'est donc l'ouverture du score, 1-0. Marco Loras. Elle a peut-être une bonne occasion. Il prend la frappe. Oh oui ! Ils sont complètement démobilisés là. Juste après avoir marqué, c'est un manque de concentration stupide. Pour une fois, c'est un défenseur qui marque. Un but plein de détermination. Et sur ce ralenti, c'est un autre angle qui nous est proposé, ça va être intéressant. Un but partout, les deux équipes dos à dos. Farfan. Ah, la passe n'arrivera pas à destination. L'arbitre qui laisse jouer. Moi, perso, j'aurais sifflé, moi. Peut-être une bonne opportunité, attention. Allez, ils vont jouer la touche. Rodriguez. Le ballon qui a été dévié, ce sera une touche.
Marco Rojas. Allez, attention, il se rapproche du but adverse. Le gardien qui a à peine à s'employer pour se saisir du ballon. En profondeur, oui, bien vu. Oh, le but qui donne l'avantage à cette équipe. Il va falloir préserver ce résultat maintenant, ça va pas être facile. Un tir absolument merveilleux dans la lucarne. Ce qu'on appelle une frappe inarrêtable. Attendez qu'on revoie ce but d'un autre point de vue. Et 2 buts à 1 donc maintenant. Flores. Farfán. Ouais, peut-être une situation intéressante là. Et a trouvé son parcours. Oui, attention. Pas du tout cadré. Non, et honnêtement, vu comment il s'y est pris, ça risquait pas. Hein. Oh oui, encore une bonne passe. Attention, il y a un peu de... Le drapeau s'est levé, il a déclenché son appel un peu trop tôt. Flores. Attention, il a du champ devant lui. Ah, la passe est interceptée, le ballon est perdu. Marco Rojas. Attention, le tir. Impossible, c'est pas possible de se rater à ce point-là. Oh, mais tu sais, en foot, tout est possible, hein, même vendanger à ce point. Cario. Est-ce ce ballon qui traîne? Ah oui, la bonne passe. Le centre à destination de ses partenaires. Un trop timide ce dégagement. Le danger reste imminent. Ah, c'est un adversaire qui récupère cette passe. Oh, il y a du monde sur lui. Durante. Ouais, c'est le gardien qui a le dernier mot sur ce ballon. Ah, belle sortie. Ce ballon qui n'est pas donné au bon moment, on le voit sur ce ralenti, mais bon, il n'y a pas en jeu de 15 mètres non plus. Hein. Il s'avance vers la surface. Il était bien placé pour intercepter cette passe. Ah, il bascule sur l'aile, histoire d'étirer un petit peu le bloc défensif qui est très compact.
Ouais, un bon ballon d'attaque. C'est dans le paquet. Un petit peu loupé cette tête. Complètement loupé même cette tête, Hervé. Je crois qu'il l'a joué avec le dessus du crâne. Rojas. Durante. Allez, peut-être une bonne occasion. On écarte le jeu. Ouais, sans prendre de risque, il a dégagé ce ballon très loin. Farfan. Flores. Ça part bien, action dangereuse. Le centre, il a vu ses pieds. Ah, quelle reprise de la tête, timing parfait. Excellente hein, cette tête. Le buteur qui arrive à placer une superbe tête à la conclusion de cette action. Le gardien ne peut rien. L'enchaînement parfait sur ce but. Ah, le centre, il se démarque, la tête, c'est imparable. Le but sous un autre angle. Et c'est encore un retour au score, une nouvelle égalité. Fin du temps réglementaire, on est rentré dans le temps additionnel qui sera de 4 minutes. Les 30 derniers mètres. Ah non, ballon perdu. Flores. On va peut-être assister à une contre-attaque. Et il gagne quelques mètres. La remontée du terrain qui se poursuit. Bon, dégagement sans se poser de questions. Corner, ça peut donner l'occasion de but. On a bien tiré au niveau du point de pénalty. Le dégagement pour éloigner le danger. Marco Rojas. Le ballon qui change de camp. Ouais, la passe est interceptée. Ballon est... La fin de la première période. Une première période assez riche en buts hein, finalement. Déjà 2-2 au score. Bon, le bilan plutôt satisfaisant pour lui dans cette première période, sans être étincelant, on peut dire qu'il a été bon quand même. Une très bonne première période pour lui, surtout avec cette égalisation intervenue juste avant le repos. La frappe. Corner adressé, il s'est dégagé du point. On a bien compris l'idée, mais c'est mal donné. Bon, attention, c'est pas fini. Flores. Au centre, il a vu ses coéquipiers. Fondeur, oui, bien vu. Au centre, il a vu cette équipe. Ah, quelle reprise de la tête, timing parfait.
Ouais, c'est parti donc pour la deuxième période. Oui, ce qui est intéressant, c'est de voir s'il y a de nouvelles consignes tactiques qui ont été données au repos. Allez, on va jouer de l'autre côté. Allez, attention, il se rapproche du but adverse. Ouais, on passe par les côtés. Flores. À la touche à venir, après ce bon tacle. Rodriguez. On s'approche de la zone de vérité. Ouais, le ballon qui continue après ce tacle, qui va le prendre. Marco Rojas. Ah, c'est bien fait de la part du défenseur, vraiment très bien joué. Non, elle a été interceptée cette passe. Ouais, un bon ballon d'attaque. Ouais, la faute, mais ça. Attention, si ça rentre. Oh oui, bien joué, le gardien à la parade. Le gardien donne un sourcil à son équipe. Il vient de sauver cette balle de but, Hervé. Et finalement, l'arbitre a décidé de lui mettre le jaune. Bien réfléchi, quand même, on dirait. Il a cherché le point. Marco Rojas. Oh, le ballon. Oh, le but. Oh, le but qui donne l'avantage à cette équipe dans cette rencontre. Et on va guetter la réaction de l'autre équipe parce qu'il reste un peu de temps quand même. On voit que la défense est prise sur ce but. Il est nettement au-dessus de tout le monde. Elle vient placer cette tête puissante qui trompe le gardien. En plus, le corner a été très bien tiré au passage. Et 3 buts à 2 au score. Quel match! Ça part bien, action dangereuse. Ouais, le tacle, mais le ballon est perdu. Et le ballon qui sort des limites du terrain, c'est une sortie de but. Elle cède donc sa place après une très belle prestation. Il remercie d'ailleurs ses supporters au moment de quitter le terrain. C'est bien ce qu'il a fait dans ce match. Marco Rojas. Allez, dans le couloir. Ce sera une touche à suivre. Le joueur qui sort en saluant ses supporters. Je le trouvais bon, moi. Je me demande vraiment pourquoi l'entraîneur le fait sortir. Attention, parce que la menace est toujours là. Non, non, ce sera finalement hors jeu. Elle lui remet, ouais, ça joue vite et bien. Ouais, peut-être une situation intéressante là. Ouais, elle a lutté après pour reprendre ce ballon. Carillo. Ouais, la faute était évidente et l'arbitre siffle coup franc.
voltigeant. Ouais, bon arrêt du gardien sur cette action. On a bien dosé cette passe de la tête. Il progresse. Ah non, ballon perdu. Et 30 minutes à jouer dans le temps réglementaire. On s'approche du but. La remise directe, c'est bien vu. Ah, bien défendu ce ballon récupéré sur l'aile. Durante. Allez, attention, il se rapproche du but adverse. Ouais, c'est bien centré. Il s'est dégagé du point. Il est sur la trajectoire. Ouais, on passe par les côtés. Le centre, il a vu ses coéquipiers. Le gardien qui répond au présent hein, sur cette action. Farfan. Ah, ça ne passe pas. Flores. Non, elle a été interceptée cette passe. Attention, ça peut être dangereux. Il donne dans l'axe, attention. Ouais, bonne prise de balle du gardien. Ouais, bon tacle, mais personne pour reprendre ce ballon. Ah, la passe n'arrivera pas à destination. Farfan, il porte le ballon. Oh, il s'est fait passer le défenseur. Il cherche le premier poteau. Ouais, sans problème pour le gardien, ce centre. Il résiste bien, hein. Bien campé pour protéger son ballon. Flores. Attention, il y a un peu d'espace devant lui. Non, non, ça ne passe pas. Ils vont pouvoir jouer la touche. L'entraîneur qui apporte du 109 à son équipe avec un changement. Il tacle. Durante. Et on revient vers le même joueur. Bien joué. Ouais, la passe de la tête. Bien. Marco Loras. Oh, c'est bien donné en profondeur. Ouais, la tentative. Et le gardien, c'est pas fini. On s'approche de la zone de vérité. Il cherche un coéquipier dans la surface. Et il a du soutien autour de lui, c'est bien. Ah oui, il reprend le ballon au tout dernier moment. Le ballon qui sort. Le joueur qui aurait bien aimé continuer, mais l'entraîneur le fait sortir. Bon, c'est vrai qu'il a été plutôt bon aujourd'hui, on l'a souvent vu dans les bons coups. On s'approche du but. Bon jaillissement sur cette passe. C'est une touche bien placée. Un redoublement de passe, bien joué.
Il prend sa chance. Et le gardien qui s'est envolé pour sortir ce ballon. Allez, le corner pour peut-être permettre à cette équipe de faire le break dans cette rencontre. Il a cherché le point de pénalty sur ce corner. Ah, pas facile pour le gardien sur cette tête, mais c'est bien illustré. Ah, il est impeccable, il se détend bien. Alors qu'on entre dans les 10 dernières minutes de cette rencontre. Et la passe qui trouve un joueur de l'équipe adverse. Et bien sûr, on entend les supporters qui chantent dans cette fin de match, qui encouragent. Oui, on sent que ça peut basculer sur cette action. Le 12e homme joue son rôle à fond. Carillo. Ah, peut-être une situation intéressante là. On centre à destination de ses partenaires. Oh, quelle occasion! Oh, quelle occasion! Il l'a manqué! Ah, il reste du temps dans ce match, mais ça aurait été bien d'égaliser tout de suite. Un bon ballon d'attaque. Et ça sort en 6 mètres. Pierre, il y a de la qualité chez ce joueur, mais on attendait peut-être un autre match de sa part. Il n'a pas donné beaucoup de bons ballons et ses coéquipiers ont du mal à le trouver dans la profondeur. C'est un match mal engagé pour son équipe. Bon, tout n'est pas de sa faute non plus, mais enfin, il faut ce qui se bouge. De la tête, bien joué. Les 30 derniers mètres. Un petit peu d'espace pour centrer. Il s'est traversé par partenaire. Voilà, coup franc. Attention, ça peut être dangereux. Ah oui, la bonne passe. Allez, peut-être une bonne touche là. Ah, ça joue physique. Hein. Il fait ce qu'il faut pour conserver le ballon en 1-2. Le danger qui s'éloigne, c'était pourtant bien donné. Il perd le ballon. Et il a toujours le ballon. Oh, il était temps là. Il était temps. Ramos. C'est quand même étonnant ce qu'on voit, une équipe qui ne se livre pas du tout. On s'approche de la zone de vérité. L'égalisation au bout peut-être. L'égalisation. Oh, l'égalisation, comme quoi c'est jamais fini un match. Allez, pas le plaisir, le petit ralenti de ce but. Un but en deux temps, un peu chanceux certes, mais il fallait être là au bon moment et surtout garder la tête froide pour la mettre au fond. Bien ce but, toujours, mais cette fois-ci avec une autre caméra. Et avec ce but, tout est à refaire. L'arbitre a décompté 4 minutes de temps additionnel. Allez, peut-être une bonne occasion. On la frappe. Ah, il a dévié au dernier moment du bout des doigts au-dessus de sa barre. Toujours pas d'avantage à son équipe pour cette action. C'est bien vu de la part du gardien.
Un corner adressé. Ouais, la frappe. Oh là 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 là, ça passe pas loin. C'est bien défendu parce que le tireur n'a pas eu le temps d'ajuster son tir comme il l'aurait voulu. Travail de protection du ballon, mais c'est bien joué. Ah, ça ne passe pas. Ouais, pourquoi pas, c'est bien vu. Ah ouais, très bien pris. Et c'est la fin hein, du temps réglementaire sur ce score de parité. Flores. Le centre, il a vu ses coéquipiers. Il prend la frappe. En profondeur, oui, bien vu. Il a vu ses coéquipiers. Ah, quelle reprise de la tête! Timing parfait! Il a cherché le point. Marco Rojas. Oh, le ballon qui frappe la transversale! On s'approche de la zone de vérité. L'égalisation au bout peut-être!